bien, je suis d'abord venu à la tauromachie quand j'étais gamin, à la course Camarguez. Parce que mon père était amateur et puis était un ami de Fernand Garnon. Et ici, il y a 95% de photos qui sont dans la manade, dans la devise rouge verte, de la manade Garnon-Combé Lafond, parce que je suis un supporter de la manade Lafond. Voilà. Alors, j'aime tous les taureaux. Alors, je vais voir toutes les courses de taureaux le plus possible, mais fait, mon cœur penche pour. Pour les taureaux de la devise rouge verte. J'ai passé d'ailleurs 54 ans de ma vie à la manade Lafond. En tant qu'amateur, comme on dit les amateurs, les amis, les proches, voilà. Ceux qui se retrouvent quand il faut changer un malade, quand il faut le vacciner, quand il y a des soins, quand il faut... On n'est pas que des mangeurs de saucisses et des buveurs de Ricard. Voilà, hein. Vous mettez la main à la pâte, voilà, quand il faut ranger les barrages, et voilà. Voilà. Et peut-être l'hiver, quand il y a des moments difficiles ou des inondations, tout ça, et qu'il faut rapatrier un petit peu tout. Mais oui, j'ai fait ça pendant 54 ans, quand on recevait un coup de téléphone. À 7h du matin, on était là-bas, et souvent on finissait le soir à 8h, et encore les chars de Blatière venaient, les chars de Fontron, entre les manadiers s'entraident. Oui. Parfois, pour changer la manade, il faut faire ça dans 5-6 heures. On est parti être obligé de tirer le char avec les tracteurs parce qu'il avançait plus tellement il y avait de l'eau. On fait ça. Puis il y a des jours où c'est plus cool. Hein. Un jour où il n'y a qu'une course à trier, c'est sûr qu'on trie la course, et puis on mange un bout de saucisson. Hein. Enfin, il y a assez de boulot. Le petit noyau, c'est toujours un petit noyau dans tous les élevages, d'amateurs, mais bien sûr, puis alors, c'est toujours pareil. Moi, j'étais artisan, alors il y avait des maçons, il y avait un docteur, il y avait aussi quelques ouvriers, mais les ouvriers, ils pointent. Peut-être que l'artisan, quand le gardien ou la femme m'appelait, dit « il faut aller faire ça en catastrophe, on plante l'établi, on y va ». J'ai 78 ans, j'ai conduit la fois que j'avais 14 ans. Quand ils viennent des gens de pas d'ici, comme on dit, ou des gamins, voilà un char à taureau, voilà un crochet, là-haut j'ai un trident, là, ce sont un frontal d'un taureau assez célèbre, Pluton de la Manade Lafond. Ça c'est un ternin, qu'est-ce que je veux. Pluton de la Fond. Et je vois que vous avez une vieille photo, carte postale du plan de la... De l'ancien plan des taureaux. Ouais. D'Aigues-Vives. Oui, au de ça j'en ai plusieurs comme voilà. Ça. Ouais. Et dessous, là, ce petit... De 1931, c'est la course que Fernand Garnon avait offert quand le président Gaston Domène, le président de la République, est né à Aigues-Vives et est mort à Aigues-Vives. Et quand il est venu en ministre officiel à Aigues-Vives, Fernand Garnon avait offert sa super royale. C'est tout le programme. Hein. Le 2-3 octobre 1931. Très bien, voilà. Et tout ça, ben, c'est là parce que j'ai fait l'année dernière une exposition à Nîmes. Et puis elle devait aller au musée de Nîmes. Et puis, question de calendrier que ça n'a pas lieu, alors j'ai tout laissé quand même dans des cartons. Tout ça, là j'ai une affiche de 1886. Là, il y a un, dans les arènes de Lunel. Ouais, c'était un grand taureau. Celui-là, justement, le jour où le président d'Omer est venu à Aigues-Vives, il faisait partie de la course. Oui. Il y avait du monde, je vais vous faire voir quelques photos. Et dès sorti du tourier, il a semé la panique, il n'a pas couru, mais on l'a fait rentrer dans les 2 ou 3 minutes qu'il a suivi parce qu'il avait commencé à sauter sur le demi-mi, sur la charrette, parce qu'il était en plus très méchant ce taureau. Mm-hmm. Le clairon. Ce plan, il était en plein au centre du village, ils appelaient ça le plan du tourier. Alors, c'était pris entre des murs, hein. C'était, tout le tour, il y avait des bâtisses. C'était le plan des taureaux, il y avait... un négociant en vin, une grosse maison de paysans, une grosse maison bourgeoise, et puis des maisons de paysans. Quand je dis paysans, c'est pas péjoratif. Hein, oui, bien sûr. On est dans un pays viticole. Oui, tout à fait. C'est très important d'ailleurs pour cette culture. En plus, ici, Aigues-Vives, c'est un pays un peu particulier, parce que Fernand Granon est d'Aigues-Vives, le célèbre manadier qui est propriétaire du sanglier, était d'Aigues-Vives. Alors, il y avait un tas de supporters. Il y avait un tas d'amis. Il faut voir les choses là, au 19e siècle. Quoi. C'était comme ça. Donc, tout le monde suivait plus Fernand Garnon. Ça avait créé un mythe. Puis tout, je ne sais pas comment m'expliquer. Tout un entourage d'amis. Et alors, les gens, je me souviens moi au début, après la guerre, pendant la fête des livres, mes parents ont mis une table dans la remise. Tout le monde en profitait pour inviter les amis ou un gardien. Les gens allaient chez l'habitant. Il y avait eu des restaurants comme dans tous les villages toute la vie, mais enfin, pour les fêtes votives et les grandes courses auto qu'il y avait dans nos villages, dans toutes les maisons,
les gens des villages voisins et les parents venaient à l'habitat. Voilà. D'accord. Donc c'était vraiment plus familial. C'était et plus familial, un convivial, et puis et c'était un événement. Et on descendait tout en groupe à la Pousse au Taureau, alors sur des charrettes à l'époque ou sur des théâtres en bois. Il n'y avait pas d'arène, hein, cet ancien plan. C'était des demi-muits, des tonneaux qui faisaient 600 litres, parce qu'il y avait 45 négociants en ville, donc il y en avait des demi-muits. Alors, la majeure partie du périmètre de ce plan était fait avec des demi-muits, puis des plateaux dessus, quelques charrettes, et puis quelques, les plus cossus, avec quelques théâtres en bois, des gradins en bois, qui montaient et démontaient au moment de cette fête-là. Alors, une chose qui m'intéresserait de savoir... C'est donc il y avait de jeunes hommes qui essayaient de toucher un petit peu le taureau. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes sur les charrettes autour, avec les enfants? Oui, j'imagine. Oui, quand on... Je n'ai pas connu cette époque, d'avant, puisque je suis né. J'en ai entendu parler, puis il y a les photos, puis il y a la maison. Je ne sais pas, tous on se lève, on parle de taureau, à midi on parle de taureau, soir on va se coucher, on parle de taureau. Depuis petit, je vais voir... Je vais dans les fêtes votives, je vois les taureaux, beaucoup d'arrivades, de bandits, mais jamais je suis allé voir trop de courses. Ça, personne de mon entourage y allait, alors j'y allais pas. Mon oncle montait à cheval chez la manade de veau, et mon père y suivait aussi, donc voilà pourquoi souvent j'allais voir les arrivades des bandits, mais jamais les courses. Et j'allais voir plus de courses avec Vive, et ça m'a plu de plus en plus. Et quand j'ai commencé à vraiment faire la fête avec Vive, j'allais à toutes les courses, et ça m'a plu. Et j'allais faire, comme tout le monde, l'andouille au taureau piscine. Et de là, il y a Christophe Durand, l'entraîneur de l'école de Marseille au début, qui m'a dit « Pourquoi tu ne viens pas faire un entraînement ?» Et au début, c'était pas gagné, puisque j'arrivais pas à sauter et c'était dur. Est-ce qu'il y a une question de taille ou est-ce que tout le monde peut être brasseteur, à ton avis? Je pense que la taille fait quand même, puisque d'être petit, suivant les endroits, quand les barrières sont hautes, c'est pas forcément évident, comme à Vinel par exemple. Et moi je me suis entraîné à Marseille, et ça allait quand même à Marseille. Et une fois que j'ai su à sauter les barrières et tout, j'ai fait ma première course. Pour savoir si j'étais droitier ou gaucher, on m'a mis devant les planches et on m'a dit de fermer les yeux et on m'a poussé. Et mon premier réflexe, c'était d'avoir mis le pied droit sur la première planche blanche. Et du coup, on m'a dit, je serai à droite, et vu que j'étais droitier à la main, c'était à droite. Et on prend d'abord appui sur la petite planche blanche avec le pied droit, et on pousse avec le pied gauche sur le coup. On s'entraîne avec le frontal, on nous apprend les cours. Le frontal, c'est quoi? C'est deux cornes, le frontal du taureau, que l'éducateur tient, et... On nous fait comme la courbe du taureau. Parce que il le tient à la main comme ça. Il le tient à la main et comment se déplace le taureau. Et suivant comment il se déplace, qu'est-ce qu'on doit faire, si on doit s'écarter ou pas s'écarter, rentrer dans la tête ou attendre. La première sensation que j'ai eue, c'est beaucoup d'émotions. Quand on s'entraîne et tout, ça va. Et quand on affronte un taureau, et ben, c'est une émotion particulière. C'est de l'adrénaline. Quand on sent le contact de la bête, c'est énorme. On n'a pas de crochet quand on commence. Et rien que de s'appuyer sur la base de sa corne, ou nous dire de toucher le frontal, de sentir le contact du taureau, c'est vraiment fort. Après, quand tu as commencé à mettre le crochet, comment ça s'est passé? Comment tu l'as eu ce crochet? L'éducateur, il a jugé que j'étais apte à avoir le crochet. Au bout de combien de temps? Moi je l'ai eu je m'étais inscrit au mois d'août à l'école Taurine et je l'ai eu vers septembre, mi-septembre, fin septembre. Et ça m'a laissé peu de temps puisque octobre, presque la fin de la saison, avec Star de Demain qu'on fait chaque année, toutes les écoles Taurine qui se rassemblent et il y a une journée à Méjane. D'accord. Et jusqu'à là, je n'avais pas trop souvent eu. Et puis après, l'année d'après, il y a eu Benoît Joseph qui était un nouvel éducateur. Et avec lui, j'ai beaucoup travaillé avec le crochet. Parce qu'avant, on dit lever les attributs. Et tout le temps, on s'est forcé à lever l'attribut et je mettais mal ma main ou pas au bon moment et tout. Et lui, il m'a fait beaucoup travailler ça et ça fait que je travaillais toujours avec le crochet. La fédération, quand on reçoit sa tenue et que c'est la première année qu'on s'inscrit, on a la tenue avec un t-shirt blanc et notre nom et un survêtement bleu et avec le crochet de la fédération. Un survêtement bleu. Oui. Tu n'as pas encore la tenue blanche. La tenue blanche. Ouais. D'accord.
Donc alors ce crochet, est-ce que le premier crochet est différent du crochet de ceux qui sont plus confirmés? Oui. Oui. Oui, il est différent. Il y a une barrette devant les dents pour pas blesser le taureau, souvent D'accord. l'œil. Parce Oui. que quand on est jeune, on place pas bien la main et on a tendance à pas faire D'accord, attention et on peut d'accord. blesser le taureau. Oui. C'est pour ça qu'ils sont moins dangereux que les autres. Ce deuxième crochet, le crochet qui sera celui des raseteurs les plus expérimentés, tu l'auras quand toi en fait? Moi, je l'aurai l'année où je passerai en pointe, c'est-à-dire en ligue. En ligue, d'accord. C'est jugé par